Mets-toi debout. Tu vois pas. Voilà. Tu vois pas assez. Voilà, tu fais les doigts. Les mains. C'est des grandes mains. Hein. On les voit. Avec des doigts de pied, des doigts de main. Mais pourquoi non? Pourquoi j'ai le droit de faire sur ta peinture? C'est ce que je te demande. Si on admet une différence entre art et culture, on est obligé d'admettre une énorme différence entre un artiste et un agent culturel. Suivant les époques, on transforme les artistes en agents culturels. Un artiste n'est pas au service d'une culture. Un artiste s'inscrit, je crois, contre une culture, soit par véritable opposition, soit par naïveté, soit par incompréhension. Un agent culturel, c'est quelqu'un qui travaille au service de la culture qui est en place, c'est-à-dire qui rend service. Il est fondamentalement utile à la culture qui est en place. Tout à coup, on dit que les musées doivent être ludiques et festifs, et l'artiste devient ludique et festif. Je crois qu'un artiste qui ne répond donc pas à une question, ou quand il y répond à des questions, ce sont des questions qui n'y ont jamais été posées. Parce qu'en fait, je pense qu'effectivement, les artistes répondent à des questions, mais des questions que les autres ne lui posent pas. C'est lui-même qui décide de la question qu'il se pose. C'est pour ça que ses réponses ne sont pas forcément formidables, ou considérées comme très formidables, mais parce que c'est des questions qui n'ont jamais été posées. Donc c'est ça la différence fondamentale entre un artiste et un agent culturel. Mais on avait inventé les commissaires, les conservateurs. C'est toujours amusant le nom qu'ont ces agents culturels. Et actuellement, il y a la dernière mode, la mode absolue, qui s'appelle le curator. Le curateur, c'est celui qui organise des expositions avec un certain nombre d'artistes et qui répond à une question de l'ambiance culturelle. Ce sont là des agents culturels.
quand les attitudes deviennent forme, fondamentalement, un artiste fait une forme, donc globalement fait un objet. Cet objet existe. Après, il y a un public. Et entre les deux, il y a la culture. L'agent culturel, c'est celui qui ne fait plus du tout d'objet et qui se retrouve entre. Où s'attaquer le mieux à la culture ambiante que dans les lieux de culture? C'est pas à l'extérieur, c'est pas en ayant une grange dans le Poitou-Charentes et en faisant une grande attaque en règle contre la culture qui règne rue de Valois qu'on s'amuse beaucoup et qu'on répond à quelque chose. C'est bien rue de Valois que ça se passe. Ça c'est pour Bernard. Donc c'est bien à rue de Valois, c'est bien à Beaubourg, c'est bien au Palais de Tokyo, c'est bien dans les centres d'art, dans lesquels on rentre comme artiste, tout en étant des agents culturels et tout en mettant le bordel. Parce qu'on n'y croit pas. À la Renaissance, ils faisaient ça dans les églises. Donc ils avaient des commandes du pape, du machin, et ils leur mettaient au mur un truc qui était soi-disant pour l'édification des peuples, mais il ne faisait pas ça. Il faisait un petit truc tordu. Ce que d'ailleurs adorait le peuple, finalement. Il est bien évident que les hommes sont tous les mêmes, partout, sur la planète. Donc il y a 7 milliards du même individu sur la planète. Et parallèlement à ça, il y a 7 milliards d'individus parfaitement différents, qui vivent pourtant à peu près le même nombre d'années, qui mangent à peu près la même chose quand ils peuvent manger, qui pleurent sur les mêmes raisons, qui rient sur les mêmes raisons, qui ont le même affect, qui ont les mêmes émotions. Qui voient un soleil se coucher et ça leur pose c'est la même question qui revient dans 7 milliards de cerveaux. Et pourtant, ils sont tous différents.
C'est parce que je crois que la perception qu'ils ont du temps n'est pas la même. Et que leur vie, qui est juste un petit bout de temps, ils n'ont pas la même perception de ce temps. C'est bien sur le temps que ça se joue. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait quand on est devant une peinture? C'est qu'on la prend d'abord la totalité en premier dans la figure, mais on ne la hiérarchise pas. On n'arrive pas à hiérarchiser l'intérieur d'une peinture. Et quand on la hiérarchise, en fait, ce qu'on regarde, c'est une photo. Ou ce qu'on regarde, c'est... ou alors on se met à lire. Mais ça, ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est au moment où on ne hiérarchise pas. On ne sait pas comment... quel est l'événement le plus important. On a perdu la perspective. On a perdu le point de vue. On a perdu le temps arrêté. On est dans un temps fatra. Essayez de trouver dans ce médium qu'est la peinture, en quoi il s'adresse à un temps qui m'intéresse. Ben, c'est tout. Le temps de la peinture, c'est la peinture. Ça, c'est fait.